trop. Je sais, vous vous dites, elle va arriver, déraper et lui en mettre plein la figure. Mais non, malin, non. Eh ben non, terrible. Bon. Mais dis donc, t'as des genoux supersoniques. Mais non, c'est juste une question d'entraînement. Tu vas voir, c'est super fun. Élégante dans sa combinaison ton sur ton du plus bel effet. Voici Selma. Eh, tu me prends pour un mannequin? Oups, j'étais ailleurs. Tu peux y aller. C'est parti. En ski de bosse, deux choses comptent. La vitesse et la technique. La piste fait 250 mètres de long. Celui qui arrive le plus vite en bas et fait les plus belles figures sur les tremplins a gagné. Une fort belle démonstration d'élégance de Selma. Une aisance, une distinction, la grâce féminine incarnée. Et... c'est où? Mais les défilés, c'est cool, il y a plein de filles. Le ski de bosse fait partie des épreuves de ski acrobatique avec aussi le saut, le ski cross, le half pipe et le ballet. Le ballet? Je maîtrise. Avec des skis, Théo. Voilà le ballet en ski. Terrible ski de bosse. Et une bosse de plus. Pour être bien énergique sur la piste, je te conseille de manger des fruits. Enfin bon, vérifie d'abord que t'es pas en train de manger la déco. Et plus d'informations sur mangerbouger.fr.